certaines stars, à l'instar d'Andy McDowell, assument leur âge pendant que d'autres, comme le créateur classe égal à HRL Marc Jacob, préfèrent effacer les marques du temps qui passe. Et sur son compte Instagram, samedi 24 juillet 2021, le célèbre couturier a partagé son premier selfie post-opératoire. Une photo qui a visiblement beaucoup plu à l'homme de 58 ans qui a récemment subi un facelift plus tôt dans la semaine. Trois jours après, prêt pour les likes, a-t-il annoncé en légende. Partisan de l'adage « il faut souffrir pour être beau ». Ce dernier s'est alors offert les services du docteur Andrew Jacono afin de rendre son visage un peu plus jeune. Quelques jours avant, ce dernier s'était d'ailleurs affiché une nouvelle fois sur Instagram en publiant un selfie dans lequel on a pu apercevoir son visage totalement enveloppé par de multiples bandages. Une opération qu'il a reçue le 20 juillet dernier et qu'il a partagée le lendemain en y ajoutant « hier ». Sans oublier de mentionner son amour pour le lifting en hashtag « vivre, amour, lift, guillemets ». Son poste a indéniablement connu beaucoup de succès auprès de ses amis stars puisque de nombreuses personnalités ont commenté son joli selfie. Qu'il s'agisse de Naomi Campbell, de la chanteuse Erika Jane ou encore de l'actrice américaine Lisa Rinna. Point. Tous ses amis ont vivement encouragé ce dernier à se sentir mieux dans sa peau. Très ouvert sur sa vie privée, Marc Jacob ne manque jamais de partager son quotidien. Sur son compte Instagram, toujours, ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité au début du confinement. Le 29 mars 2020, à s'afficher en tenue d'Adam. Dos au miroir, le designer new-yorkais avait laissé entrevoir son postérieur tout en adressant un baiser à sa communauté. Car son physique, Marc Jacob fait en sorte de l'entretenir au mieux pour être bien dans sa peau. Dans une interview accordée au site de Talk, en 2012, l'époux de Charles de Francisco était d'ailleurs revenu sur les motivations derrière son changement physique. « Non, je ne l'ai pas fait pour l'image. Je l'ai fait pour des raisons de santé. J'étais vraiment très faible. J'avais beaucoup travaillé et j'avais des problèmes à l'estomac. Donc j'ai vu un nutritionniste et il m'a recommandé d'aller à la gym et de changer mon alimentation et tout ça. » avait-il déclaré. Et de poursuivre, « Je me sens plus fort et meilleur. » Guillaumet.